Je suis Romain Ramalingam Selimoutou, j'ai 37 ans. Ma discipline, le pistolet 25 mètres par à tir. J'ai pas forcément l'esprit de contradiction, mais j'ai pas vraiment d'a priori sur les choses. C'est-à-dire que tant que j'ai pas essayé en fait. C'est comme le fait de goûter quelque chose, on peut pas dire qu'on n'aime pas si on n'a pas goûté. J'essaye le golf à ma façon, en termes de puissance et de direction. Tenir un club de golf d'une seule main, c'est pas facile. En pratiquant petit à petit, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec le tir, ne serait-ce que la répétition du geste, certains gestes techniques, des petits détails qui forment un tout, au niveau du swing comme au niveau de la séquence de tir. Allez. Je suis arrivé tard au tir, le pistolet, j'ai réellement commencé en 2016, donc très récemment. Lorsque je m'y suis mis, c'était vraiment à la base purement loisir. Et au bout d'un an de tir au pistolet seulement, donc en septembre 2017, je me retrouve finaliste en pistolet 25 mètres en Coupe du Monde en Croatie. Je suis passé de qu'est-ce que c'est que le tir au pistolet à finaliste en Coupe du Monde en un an. Et du coup, je pense que ça a été aussi un peu dur pour moi de le vivre. J'ai été considéré comme un vrai tireur de haut niveau, sauf que je n'avais qu'une année d'expérience. Et du coup, les points de détail techniques, pour moi, étaient encore totalement inconnus. Je pense que j'ai certaines facilités dans le domaine du tir qui m'ont permis d'avoir un bon niveau de base, on va dire. Par contre, c'est vrai que là, depuis quelques années, je me sens quand même pas mal dans le dur. J'ai un peu de mal à progresser. J'ai de gros soucis de confiance en moi sur ce que je mets en place. La plupart des entraîneurs que j'ai eus au fil des années me l'ont dit. Un gros problème que j'ai, c'est qu'apparemment, je pense trop, je réfléchis trop, j'analyse trop. Je sais que ça peut me servir comme me desservir. J'essaye de faire en sorte d'être le meilleur. Le fait d'être né handicapé, pour moi, j'ai dû me battre dès le départ, en fait, lorsque je suis né. C'est même un peu particulier. Pour moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais normal et le reste du monde était anormal. Parce que je ne voyais pas l'utilité d'avoir une deuxième main, en fait. Lorsque j'ai commencé à prendre conscience des questions qu'on me posait, je me suis dit, ah mais en fait, c'est moi qui ne suis pas normal. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je leur prouve qu'en fait, je suis meilleur. Le principe de cette prothèse, en fait, ça m'aide à travailler physiquement pour me renforcer de façon équilibrée, pour tout ce qui est développé couché, pour faire des pompes, faire du gainage sur les mains. Cette prothèse, elle est vraiment essentielle pour moi, pour pouvoir faire des exercices qui permettent de travailler l'ensemble de mon corps. Sans la prothèse, je ne pourrais pas avoir ce niveau et surtout ce professionnalisme. Rendez-vous à Châteauroux.